Salut, très fidèles abonnés, très nombreux. On ne peut pas dire que je sois un fan de Higher Earth. Pour preuve, je n'ai que deux de leurs albums à la maison. Higher Earth fait partie de ces formations assez méconnues du rock progressif, c'est-à-dire totalement invisibles dans l'univers du rock. Le groupe propose un prog symphonique à chanteuses teintées de folk, avec plein de musiciens et encore plus d'instruments. Rien de très révolutionnaire au final, mais ils ont leurs fidèles. Alors je me demande encore quelle mouche m'a piqué en commandant Acoustic Volume 1. Mais je ne regrette pas du tout. C'est vrai, j'aime beaucoup les albums acoustiques et j'étais curieux de voir comment 7 musiciens s'en sortiraient sur ce format allégé. Car j'ai toujours trouvé le prog de IOA chargé, limite too much, un peu à l'image de leurs artworks. Avec juste New World en CD et quelques titres glanés sur YouTube, je connais bien mal leur répertoire. Et ne comptez pas sur moi pour comparer avec vous ce que je ne connais pas. Je vous livre ici mes impressions sur un album acoustique. Un point, c'est tout. En version épurée, les morceaux de acoustique m'ont tout de suite parlé. Piano, violon, flûte, saxophone, guitare acoustique, percussions et voix s'équilibrent harmonieusement. Les voix de Dave et Rosanna se prêtent très bien à l'exercice, libérées de la batterie, des guitares électriques et des claviers. La pochette est également épurée, à l'image de ces mélodies revisitées par Higher Earth. Les 10 titres sont accompagnés de quelques mots pour nous en parler, et plaisir suprême, le groupe a gribouillé à l'intérieur du Digipack. Moi j'adore. Sans rentrer dans les détails, j'ai particulièrement aimé le lent et bluesy Streets, un morceau Covid composé pour l'occasion, je crois, le jazzy et pétillant Home et le mélancolique Fade to Grey avec Adam qui accompagne Rosanna au piano. Que vous aimiez ou non Higher Earth, je vous recommande chaudement ce très bel album. Il m'a donné envie d'approfondir leur discographie en attendant un acoustique volume 2. La semaine prochaine, je vous vendrai un accessoire de chez Apple. En attendant, écoutez du métal à fond. Salut !